Bonsoir à tous. Chers amis, tout va bien? Moi, je vais super bien, j'ai la pêche, car aujourd'hui, c'est l'été. Aujourd'hui, c'est aussi la fête de la musique, avec des jauges à cause du coronavirus. Mais depuis longtemps, on avait besoin de fêtes, car avec le manque de spectacles à cause de cette saleté de pandémie, qui nous empêche de s'amuser, ça nous manquait. Et comme je l'ai dit en début, c'est le premier jour de l'été. D'ailleurs, on reçoit sur notre plateau quelqu'un qui aime l'été. C'est pourquoi son nom est Monsieur l'été. Chaque premier jour d'été, il est dans le village et il crie devant tout le monde, c'est l'été. C'est-à-dire que le 21 juin prochain, Monsieur l'été criera c'est l'été. Bonsoir Monsieur l'été. Bonsoir Philippe. Alors, on vous appelle Monsieur l'été, mais en vrai, vous ne vous appelez pas comme ça. Non, je m'appelle Grégoire le Sécheur. Ok, mais on a l'habitude de vous appeler Monsieur l'été. Bah oui. Bah justement, parlons-en comme ça. Quand c'est l'été, vous annoncez l'été. Exactement. Mais comment ça se passe? Eh ben, quand c'est le premier jour de l'été, je crie sur une place dans mon village à plein poumon, c'est l'été. Ah oui, très étonnant. Et tout le monde vous apprécie quand vous faites ce que vous faites? Bah écoutez, tout le monde a l'air d'adorer. Vous savez, j'aimerais bien que quelqu'un vienne dans mon village pour crier « C'est l'été !» Quel intérêt de crier « C'est l'été !» Toujours aussi con, Laurent. Juste après la pub, les infos d'Audemora Kelly. À tout de suite. Thank you.